là, je vais trouver quelque chose. Autant bien les caches de droit, le niveau facile. Oh non, c'est pas vrai. Dragon Slayer. Attends, fais-moi voir ça. C'est parfait, les sept du grenier. Voilà, alors attends une seconde. Voilà, il faut savoir que Dragon Slayer, son Game Boy est dédicacé par le joueur du grenier et Seb du grenier qui nous ont dessiné un magnifique caca d'ailleurs dessus. Je laisse le même côté de la Game Boy et laisse bien sécher parce que là ça coule un peu. Donc voilà, vous avez un cadeau qui n'a pas de valeur étant donné qu'il est dédicacé par Fred et Seb. C'est genre approuvé par Seb et Fred. C'est qui a vu c'est toi Arthur. T'es prêt? 3, 2, 1, on est reparti. Une map qui est issue de la licence Zelda, wow. Évidemment, comme on peut le voir par la Triforce qui se balade un petit peu partout sur la map. Ah, c'est oui, enfin, tu veux jamais une 200 touches? T'as trouvé la Triforce? Alors, excusez-moi, oula, les pourcentages ont vite monté, on a Canon et Lee qui sont en difficulté. Et étrangement, Kirby qui se la joue pas mal parce qu'il a réussi à nous avaler. Il a réussi à avaler un Ganondorf. Si tu peux commenter, tu veux prendre la relève. Parce que là j'ai plus de voix mec. Prends la relève, salut. T'es trop grand cette map. Je sais, il y a Arthur Lee, ouais. D'ailleurs il a pris très cher là en quelques secondes. Non, on a Kirby qui s'en sort pas mal et on a les trois autres qui sont à 128, 120 et 157%. Donc ils vont peut-être pas tarder à sortir au prochain coup. Voilà. Comment ça va Iron Man? Je rappelle que Ganon, c'est notre vainqueur du J2 de l'année dernière. Donc on a un gros challenger là. Donc celui qui arrivera à le sortir, c'est pas un mauvais. Là, Ganon, il commence à bien décoller là, avec son pourcentage de 161. Ça y est, il est sorti. On a perdu Captain Falcon. Ça va, il reste 7 vies. Ouais, mais Ganon, il a beau avoir 200%, il reste...